Wesh les mecs, comment ça va? C'est Swimix. Dans cette vidéo là, c'est une vidéo Rocket League. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est pour les gens qui viennent de commencer le jeu. Même si vous êtes comme vous voulez. En gros, c'est une vidéo tuto roller drag. Le roller drag, c'est une technique quand même assez chaud à faire. Moi, je l'ai appris, j'étais level 50, level 30. Ouais, bon. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Et si vous aimez cette vidéo, ben n'hésitez pas à me demander un autre tuto. Comme vous voulez, reset, ceiling, bref. Alors, l'étape numéro 1, ça consiste, ben déjà, vous n'allez pas aller directement vers les goals. Vous allez faire, en gros, vous allez faire un truc normal, quoi. Genre, roller drag, c'est quoi? Ben, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est roller drag. Ok. Regardez. Bref, alors l'étape numéro 1, la conduite de balle. En gros, en l'air, faut bien maîtriser la balle. C'est très dur quand même parce que faut gérer le boost, pas trop user, et d'un côté il faut réussir à cadrer la balle. C'est super dur. Alors au début, essayez de faire comme ça. Faites pas retourner comme moi, hein. Moi je le fais comme ça, mais essayez de faire genre vous faites tout droit et vous essayez de toucher le mur juste en face. Bon, moi je fais vers le goal, mais vous faites le en touchant le mur juste là, là. Genre vous partez, faites ça et vous touchez le mur derrière. C'est en tout cas, moi j'ai appris à faire mes roller drags comme ça. Vous essayez de toucher le mur et dès que vous arrivez, vous avez fini l'étape 1. Bon, maintenant passons à l'étape 2. Bref, passons à l'étape 2. Ça consiste en quoi? Eh ben, c'est très important vraiment parce que là, dès que vous avez la maîtrise de votre balle, faut pas non plus. Genre, vous voyez là, je fais beaucoup de rebonds, mais c'est pas très bon. Après, si vous voulez. Si vous voulez surprendre vos ennemis, c'est parfait. Hein. Ok. Ah oui, et si vous faillez, enfin vous faillez, je sais pas si c'est vraiment français, vous pouvez partir sur un pinch aussi. En gros, étape 2, vous essayez de partir soit avec la balle, c'est comme vous le sentez les gars. Mais moi je vous dirais plus d'essayer 2-3 fois sans la balle. Vous gérez un peu le boost, vous vous dirigez vers le goal. Voilà, vous réessayez au fur et à mesure et tout, vous dirigez vers comme ça. En fait, le plus important dans le tuto, enfin dans pour apprendre le dag, c'est regardez, vous voyez là, il y a le creux là, il y a vraiment un creux. Ah bah dès que vous poussez la balle, dès que la balle dépasse la ligne là, vous la tapez, vous sautez et vous partez. Regardez, plat. Vous freinez si vous voulez et dès que ça dépasse vous sautez. Ok. Ok. Donc vous allez essayer. Là vous partez pas en roller drag. Là vous allez juste faire ça et vous allez essayer de bien toucher la, de bien taper la balle comme il faut. Ok. C'est très important vraiment. Vous faites ça et vous la tapez bien. Il faut qu'elle soit vraiment cadrée, qu'elle se dépasse. Regardez. Regardez comment elle atterrit. Il faut que ça soit parfait. Genre faut qu'elle soit cadrée, sinon c'est pas bon. Donc vous allez faire ça au fur et à mesure et quand vous allez réussir, ben je crois que ça sera bon, ça sera vraiment parfait quand vous allez réussir. Ok. Et une fois que vous maîtrisez cela, ben je pense que vous pouvez passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle est quand même très dure. Ouais, je crois que j'ai sauté une étape, mais en vrai, c'est comme vous le sentez. Parce que la prochaine étape, ça sera d'essayer de marquer un but. Mais si vous ne le sentez pas, genre marquer un but, vous ne marquez pas de but. Hein. Vous allez juste faire ce que je vais faire là. Vous allez juste essayer de conduire la balle. Peu importe, vous faites un poteau ou quoi, c'est bon. Hein. Ça suffit, les mecs. Ok? Donc c'est vraiment pas grave si vous marquez pas. Tant que vous arrivez à diriger la balle vers le goal, c'est bon. Genre comme ça, par exemple, vous faites ça, c'est pas grave. Faudra juste améliorer et gérer le boost. Ok. Donc,
Ah oui, et je voulais vous dire un instant en pause. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Ouais, bref, on passe en tuto. Du coup, une fois que vous maîtrisez cela, je pense que vous êtes prêt pour la finale étape. Essayez de marquer. Comment ? Je sais, je suis allé vraiment beaucoup vite pour ce tuto, mais mettez pause à la vidéo et tout, et essayez de réussir parce que bon. Moi, j'ai pas vraiment galéré à faire les roller drag, mais c'est quand même dur. Hein. En vrai, c'est une mécanique très difficile, très compliquée à résoudre. Ouais, une mécanique très compliquée à faire quand même. Bon, moi, je suis que P3, mais j'ai appris à la faire. J'étais or, argent, un truc comme ça. Donc pour les nouveaux joueurs, essayez d'abord de réussir. Voilà. Donc ouais, bien sûr, si je vous dis de faire ça, mais faut quand même être un minimum fort en aérienne, parce que sinon c'est pas vraiment bon. Si vous n'êtes pas un minimum fort en l'air, ça va être vraiment plus dur pour vous. Moi là, je me trouve même pas vraiment fort. Enfin bref. Du coup, j'espère que vous aurez aimé ce tuto et que je vous aurai aidé. J'aurais aimé quand même rentrer un petit flip set avant. Je suis un peu nul, mais bref. Du coup, prochain tuto, si vous voulez, je vous fais un tuto reset. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.